Zastiakat qui pêche au-dessus du pont de Barbouillon. Au-dessus. Atlas et le pont de Barbouillon. Et les Oudour, c'est déjà tapé dans l'Est. Au pont de Cochette, qu'elle arrive. C'est là qu'on dit les deux zéos. Voilà. Donc, il y a des moments quand on pêche le plat de zéo. On va dans le pont de Barbouillon quand on saume. On va vous dire pourquoi. Il y a les blancs de l'île de l'Est qui remontaient jusqu'au pont de Barbouillon quand ils froyaient. Notamment de Barbie. Et c'est pour ça qu'on y venait, au saume. Parce que quand ils mouchaient dedans, c'était un ouvrage, des gros pêcheurs comme ça. Hein. Tandis que la truite, dès qu'on a décidé d'un lift, mais en règle générale, c'est toute belle truite. Et on retape les petites, on est collonge, hein. On prend un tafoui. On retape les petites. Sa journée, voit-il du Costigalson, hein, et on les tape aussi que sur le bourg de Léo. Donc on les rappêche dans le filet avec sa moine. Elles sont prises dans le filet, hein. Elles sont prises, on les retire. Le filet, c'est l'autre. Les deux qui sont au bourg, ça c'est au moins mettre les deux puvis, hein, qui n'ont pas de grandes bottes, parce que ça c'est rare les grandes bottes hein, de le dire. Et on va vous faire une bonne pêche d'une toute la nuit. D'autres c'est d'abord un saume. Ah, mais ça dépend, hein. Ça dépend jusqu'au pêche. C'est fouet pour check bi, il faut avoir le saume, amzer. C'est un filet avec des boules de plomb qui traînaient dans le fond. Et quand vous sentez la pire, vous le ratez un petit coin arrière et vous le remontez. Mais quand c'est une grosse, il faut carrément aller avec vos moins, elle passait août. Autrement, il s'attraperait, il va que chérer. Il va le que chérer, hein. Il y a une faune à tuer, hein. Eh bien, j'en passais une note, donc, à ramasser. Et c'est, comme pour vous dire, yok, d'un goff. Il y a des chevins. Alors que ce salopard-là, il se foutait dans le filet. Et ça, c'est un ouvrage pour les rawer. Ça fait que pour finir, tu le dis à mais il faut passer août, des goffes. Mais seulement, il y a pas ceci. Les grosses truites, elles la servent dans les goffes. Et il y a des systèmes, quand ils pêchent d'un autre système, ils mettent un travier et ils tessent le pêcheau. Quand il n'avait pas une main d'œuvre, donc puis, il a stack déjà vie. Il tessait le pêchon pour le faire de chat. Si vous voulez, un mouchon dedans. Il donc, mettait les sommes à une place. Ça, c'est ça. Il a ce stade avec deux piquets ou après un autre, n'importe, avec la couette, là. Parce qu'il n'y a d'assez que le filet en plus, vous avez une couette, il est loyé autour de vous, la couette, pour n'aller le pied. C'est qu'ils sont d'aller ou ça? Dans le grand courant. De l'île de l'Est, par exemple, il y a des places, elle va vite. Hein. Alors, si vous le lâchez jamais, il va vite, malgré la boule de plomb qu'il y a à terre, il mousse dedans l'île, vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça. Alors, il a passé une nuit avec ses crabes. D'abord, tu mises la pire, on va couronner l'agneau. Et puis, il est revenu. Elle l'a de moins, de ce malhôte. Il y a ce malhôte, si vous voulez, mais il va tellement forcer une mère d'aller au fret, qu'il y a resté malhôte. Et les truites, on les a vendues à Wallin. Ah, vous l'avez dit. Il y a eu des sommes, hein, puisque, qu'est-ce que vous voulez. Mais je me cachons, mais il n'y a aucune chose qui m'intéresse, mais ça, c'est des sommes. Mm, ouais. Ah oui. Eh bien, voilà. Eh bien, merci Nicolas, merci Bram Adeco. Ah oui. Alors, bien sûr, les skytons ont continué. Mais quand on se représente la vie d'un skyton, d'une journée de skyton, c'est déjà des gens qui se levaient à 5h, 4h30, 5h au matin. Ça moi, tient déjà 5, 6, 7 km de solide devant le Quincy la journée. Alors, là, tu la rejoins au stand. Il se valait 10, 12 heures, Alphos, Saint-Veil-le-Sla. Il travaillait 6 jours de ce chi. Elle s'était mis quelquefois pour se reposer. Il fallait qu'on baille un coup de main à la femme, à le mojon, pour ça il doit être deux beaux. Okay? Il fallait offrir la hausse, la fenou, qu'est-ce que tu veux faire la poudre de bois, et tout là, ça. Et puis le lendemain, remercie à le force. C'est des gens qui travaillaient le pied d'un léo. Parce que, à ce moment-là, on pompe un patch. On remonte encore léo au seillé. Hein, faut bien se dire ça. Qu'il n'y a eu des porteurs d'éo, et qu'il ne gagnait qu'aux humains. Et c'est un des premiers ouvrages des femmes parsées. C'est des femmes qui de ce volet et qui se repassaient à l'essayer. Et du coup,
Tout au début. Ah oui, c'est le diable 20, hein, des années 1700, qu'on sait ça, quelque chose. Mais enfin, c'est pour dire que la chose de l'ouvrier, à ce moment-là, hein, il travaille au bâche, il travaille au noir, parce qu'il faut en aller un trou, hein, il va tafouer au noir, avec rien qu'une flamme de nos bougies. Oui, c'est grand chose. Ça n'est ni grand chose, hein. Alors, tout le risque d'accident, que le pire te mèche, parce qu'on va y en aller exactement, il n'avait pas bon, en tout cas, c'est craint de tout, le poquin. Le site, il se relevait un pourrette, il se devra le crâne au premier coup. Alors, qu'est-ce qui est moins bien? Cosimère, hein, c'est tout le lard d'Amérique comme est bien, hein, c'est un pot du point, et puis voilà, il n'y a pas un Cosimère, hein, deux, trois yeux, ça tout. Les jours qu'il est malade, qu'il me rend le mot jaune, n'est rien pas y. Il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas rien de tout. C'est seulement dès les années, il a fallu atteindre le début du siècle, pour qu'on commence un pot de vin, peut-être 10 ans de vin, qu'on commence à faire les premières mutuelles. C'est-à-dire qu'ils ont fait le mutuel eux-mêmes, qu'il est rimpaillé. À 1900, ça. Aux environs de 1900, peut-être à peu près 10 ans de 20. Il commençait, les premières caisses d'accidents ont lieu. C'est-à-dire que de celui-là, paille, on le dit retenant 20 francs, par exemple, qui m'a l'ordre de la caisse. Et quand il est rien à 15 ouvriers, 20 ouvriers à travailler, ben, tout ça sous l'ordre de la caisse, et tous les mois, il baille. Quand il y a un qui est malade, ben, on a l'opugie de la caisse pour le paille. Bon, ça va être messien, là.